Oh là là. Hey, il veut pas me laisser tranquille. Les goats de cette chaîne YouTube, absolument incroyable. Merci à tous d'être là. Eh, hey, c'est vous les vrais, c'est vous les premiers, c'est vous, vous étiez là avant tout le monde. Aujourd'hui, comme je l'expliquais, on va faire la suite de Ultimatum. Parce que les gars, moi là, le seul souvenir que j'ai, c'est quelqu'un qui s'apprête à y faire une énorme dinguerie. C'est bon, y a rien de mal, y a rien de mal. En plus, t'as un petit soleil dans le cou. Il va t'embrasser le soleil. Ça va, c'est gentil, non? Ça va. Alors, bon. Eh, franchement, d'un regard extérieur, le bisou dans le cou avait rien de sexuel. Mais c'est l'endroit, en fait, qui est dérangeant. Tu fais pas un bisou dans le cou d'une meuf, genre, par respect. Tu fais pas ça. Elle va foutre la merde. Regardez, Lonnie Landers, il voit, il tire en pleine lucarne. Regardez comment je vois dans l'avenir, regardez comment je vois dans l'avenir, regardez comment je tire tout droit. Ouh, ce sera répété, amplifié. Alors déjà, elle est gênante, mais voilà, bon, c'est pas comme si... Ça a beau être quelqu'un que j'apprécie, j'ai envie de lui dire, là, franchement, t'as déconné. La troisième semaine a commencé et c'est vrai que je suis super contente de revoir les filles, j'ai vraiment besoin de débriefer avec elles. Les gars, est-ce que vous voyez ce qui va se passer? C'est la merde! Elle revoit tout le monde! Les bails vont sortir! Comment ça se passe avec Scott? Il est toujours positif et ça fait du bien de vivre avec quelqu'un qui est comme ça tout le temps, tu vois. J'ai envie de lui dire pour la bachata qu'il a eu une proximité que moi j'aurais pas appréciée. J'ai envie de lui dire pour le bisou dans le cou. Romane elle est culottée, surtout avec tout ce qui se passe là avec le Sofiane. Vous voyez comment elle est? Ça c'est la sorcellerie. Eh, hey, y a des meufs. Eh, hey, seigneur. Qu'est-ce qui t'a apporté, toi, Scott? Mais il m'a fait me rendre compte de plein de choses. Scott n'a rien apporté, sachez-le. C'est plein de petits détails de la vie, mais le téléphone, le fait qu'on fasse pas d'activité ensemble, que le peu d'activité qu'il fait, il préfère les faire tout seul. Oh, j'existe. Trop bonne, trop conne, hein? Ben, exactement. Lindsay, tu parles à qui, en fait, là? Lindsay, tu parles à qui? Je suis choquée parce qu'en fait, je le reconnais absolument pas. La personne avec qui je vis depuis 3 semaines n'est pas du tout la personne qu'elle me décrit. Est-ce que Théo, il est vraiment sincère et qu'il est comme il est dans la vie de tous les jours? Mais c'est vrai que je me pose des questions. Pourquoi tu as un truc où tu m'as parlé à la dernière soirée entre mecs? Ouais. Tu me disais que t'as besoin d'une fille bien carrée, qui arrange bien ses affaires dans tout, et tout, ouais, ça. Dans ses projets, dans... tu vois, dans et là, ça. D'ailleurs, vas-y, ouais. j'ai filmé. La tête de ma mère, tu rentres, je vais t'en mettre une, Sofiane. Mais il la harcèle. Oh là là, Seigneur. À quoi va ressembler ta future chambre? Ça, c'est la chambre, tu vois un peu la salle de... Ah ouais, câble. Mais ça, c'est certain, moi, je resterai pas dans ces conditions comme on était avant, ça. Je pourrais pas rester comme ça. Après, moi, je lui ai toujours dit, moi, je suis très terre-à-terre. Si jamais je lui conviens pas, que ça se passe pas bien avec moi, qu'elle se sentirait plus heureuse avec moi, mais je la retiens pas. Ce qui se passe dans ma tête, j'ai envie de là, je prends une bécane, je vais rejoindre Romane et on met les choses au clair. Moi, je dis Romane... Et Sofiane, vous êtes choisi pour aller au truc, alors qu'à la base, c'est moi qui dois aller avec Roman, et plusieurs fois, vous êtes choisi. Moi, je l'ai dit ouvertement, depuis le début, elle m'a plu, et c'est très bien que je lui plaise. Moi, je me fais confiance, et je sais qu'il n'y aurait rien eu, mais il y a un danger, et il y avait un danger. Bah, un danger peut-être de ton côté. Bah, plus du côté. Vas-y, Bocato ! C'est mon poteau Théo ! Théo, il s'est enfin réveillé ! La bête ! Avec une fille que ma copine n'apprécie pas, mais je me dis, mais quand je vais balancer ça à Lina, elle va retourner à la maison. Hey, voilà, ça c'est le divertissement comme on aime. Scott, il a balancé des trucs là. C'est ma pétasse préférée, sachez-le. Ça va partir en couille. Roman, Scott et Catherine, en gros, ont fait une activité bachacha. Et Sofiane et Roman étaient en train de danser ensemble. Scott, en gros, ce qu'il a dit, c'est que c'était Sofiane et Roman qui étaient en limite en partenaire d'expérience que lui avec elle. Parce qu'elle savait que ça allait avoir des répercussions, en fait. Elle savait que j'allais mal le prendre. C'est grave vicieux de sa part. Bah oui. Comme la conne que j'étais, j'essayais de la réconforter, en fait. Oui. Mais si je savais que tu dansais avec le mec. Oui. Mais j'aurais dit, mais pleure, carrément, pleure. Oui. C'est du sang qui coule. Il m'a manqué de respect à plusieurs reprises, en fait. Oui. Et il continue de le faire. Je suis désolée, hein, mais Sofiane, là, il est célibataire. Je te le dis. Je vois, on est sorti en boîte, ouais. Avec Sofiane, avec Roman, et en fait, je me suis plus dans un jeu de séduction. Ouais. Avec une des amies de Roman, et en fin de soirée, je l'ai embrassé. T'as dit quoi, là? Ouais. Mais non. Est-ce que j'ai pas fait mon temps avec Lindsay? T'es pas... Eh, vous savez quoi? C'est même mieux qu'il t'ait fait ton temps. Vas-y, quitte Lindsay. Oh non, tu la mérites pas, chef. Tu la mérites pas du tout.
Allez. Sérieux, t'es un malade. Allez, dégage. Allez. Mais non, c'est pas possible. Ah non, je suis... T'es bête ou quoi, en fait? Eh, c'est concret. Eh, c'est exactement ça. J'ai pensé exactement la même chose. Eh, t'es bête ou quoi? Et ça, je te le demande comme un geste d'amitié. Ouais, parce qu'on est amis dans cette émission. C'est vraiment, il faut pas que tu lui dises du tout parce que ça doit venir de moi. C'est hyper important. Ici, y a personne qui le sait. Salut, Lin Lin. Eh, salut, ça va? Ça va et toi? Ça a été? Richie ne perd pas de temps. Sois un Camerounais solide. J'ai plié le linge. Ouais, je vois ça. Je veux pas niquer l'ambiance, mais il faut que tu t'assoies. Et il m'a dit qu'il vivait comme un célibataire, quoi, qui fait sa vie, tu vois. Ah ouais. Ils ont fait une soirée, ils ont fait un cours de bachata, ils ont dansé. Et apparemment, il voilà, était très proche. Et que là, dans sa tête, c'est célibat, tu vois. Donc, je sais que tu voulais pas entendre ça, mais je t'aime beaucoup. Je t'apprécie énormément, donc je peux pas te cacher les choses. Tu vois, t'as raison. Faut qu'il y ait une claque qui parte. Hein. Je ne serai pas satisfait de cette émission tant qu'une claque ne sera pas partie. Est-ce que tu vas pouvoir lui tenir la figure, être là en face d'elle, la prendre dans tes bras, Là, on va passer quelques jours chacun chez soi. Doucement, il faudra dire, il faudra qu'on discute de l'expérience. On n'aura pas le choix. Je suis arrivé amoureux d'elle et je repars vraiment. Je suis fou d'elle. Mm. Et toi, par rapport à Lina? Bah, franchement, moi, je sais plus où j'en suis vraiment. C'est-à-dire? J'ai l'impression qu'elle me fait pas confiance en fait. Depuis le début. Il y avait ce problème-là avant l'expérience? Non. Eh, vous vous rendez compte que j'ai jamais rien à dire sur Catherine? Vous savez pourquoi? Parce que Catherine Goat. Catherine Goat, fucking Goat, elle est mariable. T'as pas envie de le voir? Je vais être très honnête avec toi, Sofiane, j'ai pas du tout envie de le voir. Parce que... Elle a pas envie de te voir, gros connard de merde. La communication, elle est rompue. Et quand bien même on va parler, bah en fait, Sofiane ne se rend pas compte des choses. Et pour lui, ce qu'il a fait et ce qu'il fait... C'est normal. Bah, c'est normal, il voit pas le mal. C'est le moment qu'on attend tous. Les retrouvailles. Là... Je veux du divertissement, je veux du grandiose, je veux de la bagarre, je veux une nappe qui tombe. Théo, comment ça s'est passé pour toi avec Sarah? Écoutez bien. Ça s'est vraiment très bien passé. Je pense que c'était la partenaire idéale. On a vraiment beaucoup avancé tous les deux. Théo, commence pas. Hey, c'était un sans faute depuis le début. Hey, Théo, commence pas à faire des trucs comme ça, là. Mais je pense que c'est dans... Il y a un sens. Il y a un sens à tout ça. Bon, laissons-le terminer. Détends-toi, quand même. Mais il a le droit. Attends, tu danses la bachata avec Sofiane et maintenant tu veux faire la meuf jalouse? Narco bêta, yo. Très authentique et au contraire, elle m'a permis d'avancer et d'aller dans ta direction, donc tu devrais la remercier. Je suis arrivé amoureux de Romane. Aujourd'hui, je suis fou d'elle. C'est-à-dire que pour moi, c'est la femme de ma vie. Moi, j'attends ces mots-là depuis longtemps de sa part. De retrouver la vraie personne de qui il est tombé amoureux il y a 2 ans de ça, il va devoir ramer. Donc, elle est consciente qu'elle a changé, qu'elle n'est plus la même personne qu'il y a 2 ans. Donc, où a été la transition? Vous voyez, en fait, son hypocrisie? J'ai vu Roman souffrir tous les jours, recevoir des messages de Théo qui a abusé sur sa jalousie. Ah. Que dire? Mon gars Théo, t'es pas en train de m'aider. Parce que ça, c'est les choses concrètes que j'attendais et qui me font pas plaisir. Et moi, j'ai senti quelqu'un qui ramassait tout le temps. Et moi, j'étais derrière, j'étais un peu le bouclier en mode, c'est pas grave, ça va bien se passer. Théo, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui, qui est égocentrique, qui est égoïste, qui est pas capable de voir plus loin que le bout de son nez. Sa valeur, donc leur relation pour moi, c'est de tous les couples, c'est la pire relation qu'il y a. Et ta gueule, tu vois, on en parle, toi, t'es le seul de l'émission qui a trompé. Eh, j'espère que ça va sortir. Alors là. En fait, j'ai appris que je donnais beaucoup de conseils à Roman, à savoir de d'abord penser à elle et d'être heureuse toute seule. Lindsay, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? C'est dur parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris... Les gars, on y est. Et qui vivait une vie de célibataire. Lindsay, on est fort. Tu t'es rapproché d'une fille. Non, en l'occurrence d'une amie à Roman. Roman, pourquoi elle pleure? Et là, le fait de t'entendre que tu veux une vie de célibataire alors que je te laisse vivre, je suis pas H24 sur toi, bah c'est dur, ça fait très mal. Sofiane, comment s'est passée la cohabitation avec Catherine? Ah là là. Beaucoup de choses qui allaient pas dans notre couple.
avec Lina. Je pensais qu'on avait des bases très très solides. Et je me disais qu'en fait, le seul problème, c'est le fait de partir à l'étranger. Donc à la fin, soit on arrivera à trouver une solution ou pas, mais c'est le seul problème. Clairement, Sofiane n'a pas arrêté de répéter tout au long de l'expérience que Roman lui plaisait. Ben c'est vrai. Voilà. Donc là, il fallait le dire, c'était clairement ce qu'on attendait de toi. Pas... dire que tu trouvais des filles très jolies, ça n'a jamais été un problème. Dans... Mais toi-même, je sais même pas pourquoi tu bois. Je sais même pas pourquoi même tu bois. T'es au milieu des problèmes, t'es en train de montrer à tout le monde que t'es qu'une garce. Eh, ça y est, Seigneur Jésus. Et par principe, je voulais pas danser avec lui par rapport à Théo, vu que je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient là-dessus depuis le début. Et je me suis dit, je préfère éviter. Mais en soi, toi, tu as pensé à ton couple. Mais lui, en fait, il s'en fout. Vous me laissez parler ? Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais vous êtes bien gentil. Vous êtes d'accord. Attends, quoi ? Attends. Oh, le culot ! Oh, le culot ! Scott, c'est un fils de pute ! Je suis désolé, il fallait que ça sorte. Scott, c'est une énorme merde ! Il est venu là pour tester ses limites. Il a joué à un jeu, mais au moment où il pouvait craquer, il a pas craqué, le gars. Moi, Sofiane, aujourd'hui, je lui tire mon chapeau. Aujourd'hui, où en es-tu avec l'ultimatum que Sofiane t'a posé ? Honnêtement, pour moi, il n'y a plus Lina et Sofiane à l'heure actuelle. Oh là là ! Les gars, on va s'arrêter là. Je suis désolé, Moby, en plus, il est là, il est venu voir son frère. Ouais, il est venu voir son frère. Son frère lui manque. Mais il ne vous le dira jamais ici. Donc... Les gars, bisous. Force à tous ceux qui ont passé le bac. Tu sais que les gens ont passé le bac aujourd'hui. Ah bon ? C'était aujourd'hui ? Ouais, c'était aujourd'hui. Wesh, les gars ! C'était comment le bac ? Il y en a, mais c'est pour ça, il y en a, ils disent ouais, demain je dois bosser, bosser. Demain, ils ont heureusement, j'arrête au nom. Les gars, au nom, l'école c'est important. Les gars, dites-vous si moi je l'ai eu, vous pouvez tous l'avoir. C'est réel. Tous. Merci pour tout. On se tient au jus. Mercredi ça stream. Gros cœur sur vous. Merci pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne secondaire. On est ensemble. Moby bientôt qui arrive en stream aussi. Ça va bien se passer. Vendredi, soirée pyjama. On est ensemble. Et voilà.